grand méchant derrière. Et dès qu'on vous... va-t-on sauver Kairi ? Pénétrons. Pourquoi ? Elle était à moi ! Écoute-moi. Le cœur qui est fort et pur remportera la Keyblade. Quoi ? Mon cœur serait plus faible que le sien ? À cet instant, il l'était. Toutefois, tu peux devenir plus fort. Tu as franchi la porte des ténèbres sans la moindre crainte. Elles n'ont pas d'emprise sur toi. Suis la route qui mène aux ténèbres, et ton cœur deviendra encore plus fort. Que dois-je faire ? Rien d'extraordinaire. Ouvre ton âme aux ténèbres. Voilà tout. Laisse ton corps, ton cœur, tout ton être devenir ténèbres. Oh. Il est ténébreux. What? Non mais moi, faut que j'aille là-bas. Allez, cassez-vous. Ah non, c'est ça. Ouch. C'est le petit boubou. Donc là, il y a des trucs potentiellement activés, tout ça. Ça sera le montant. Et je fais. Le balcon. Non, pas tomber, hein, sinon je dois tout refaire. Se faire attaquer. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça suffit, hein. Amène-moi là-bas. Thank you.
Ouais, la bibliothèque, ça devait être un raccourci qu'on n'a pas tout à fait débloqué. Toujours pas ce que je peux faire avec l'oracle. Au secours. Récupérer les autres. J'aime bien pour récupérer des coffres. Non, c'est pas dit, c'est juste en mode. Bah. À ton avis, quel truc logique faut faire pour le récupérer? Et là, tu fais. Ah! Attends, si je fais ça. Zut. Allez, gravité.
La chapelle. Bien. Je vois que l'accès est enfin apparu. Oui. La serrure des ténèbres. Si vous l'ouvrez, les sans-cœurs envahiront ce monde. Quelle importance! Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur moi. Je me servirai de leur puissance pour régner sur les mondes. Quelle assurance! Oh! Oh! C'est impossible! Toutes les princesses de cœur sont ici! C'est sa faute. Sans son cœur, elle ne pourra jamais libérer son pouvoir. Les fous du roi sont là. Je vais m'occuper de moi-même. Reste ici et surveille les princesses. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit point de sauvegarde? Je crains que vous n'arriviez trop tard. D'un instant à l'autre, la dernière serrure va céder. Ce monde sera plongé dans les ténèbres. C'est inévitable. Nous empêcherons ça. On n'a pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. C'est hors de question. Pauvres fous ignares, vous croyez pouvoir me battre? Moi, la maîtresse absolue du mal? Ah oh, mais maléfique quoi! Ça meurt. Ouais, elle est à fond. Éclaire ces ténèbres, foudroyez-les. Wow. Étoile de destruction, abattez-vous. Ma magie. Allez, gravité. Éclaire ces ténèbres. Oh, ça a pas marché. Solo. Ah non. Donald. Dingo. Ok, bientôt. Gravité.
lapin. Gravité. Nice. Yes. Une peur contre nous, maléfique. Ah, la transe. Que c'est ? La propagation assigne aux ennemis. Comprends ? C'est donc quoi ? Ah, ça, c'est une belle technique. Allez. Donald. Ah, c'est celui-là. Ah oui, non, mais c'est pour les envois. Attendez. 1, 3, 5, 7 et 9. On a que des impairs. J'ai acquis d'immenses connaissances pendant de nombreuses années. C'est ce savoir qui m'aide à maintenir la paix en ce monde. Le peuple me voue un amour et un respect sans borne. Cependant, malgré mon statut de sage, il est encore une chose qui m'échappe. Elle sommeille au plus profond du cœur de chaque être. Aussi pur et innocent soit-il, il suffit d'un rien pour qu'une once de cette entité grandisse peu à peu, inexorablement, et finisse par dévorer le cœur qu'elle habite. Je fus moi-même maintes fois le témoin impuissant de ces malheureuses victimes. Les ténèbres, la face obscure du cœur, d'où viennent-elles? Quel est leur but? En tant que souverain, je me dois de percer leur mystère avant qu'elle n'incite les hommes à troubler la paix en d'autres mondes. Que peuvent bien être ces ombres qui rôdent dans l'obscurité des sous-sols du château? Sont-ce les restes des malheureux qui ont perdu leur cœur ou la matérialisation des ténèbres qui se nichent dans le cœur de chacun? Elles dépassent le cadre de mes connaissances. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elles n'ont pas de sentiments. Parvenir à découvrir leur but me donnerait probablement la clé du mystère du cœur. Je dois approfondir mes recherches. Par chance, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Elles se multiplient à un rythme vertigineux. Et ils leur font un nom. Les êtres qui n'ont pas de cœur. Les sans-cœur. Assez simple, hein. J'ai isolé un spécimen de son cœur afin de l'observer et d'étudier son comportement. Il a agité ses antennes quelques instants, puis semble avoir détecté quelque chose. S'est dirigé vers les profondeurs du château, où il s'est de nouveau mis à scruter l'air de ses antennes. Soudain, une étrange porte a surgi de nulle part. Je n'aurais jamais soupçonné l'existence d'une telle porte dans mon château. Elles étaient dotées d'une énorme serrure, mais elles n'avaient pas l'air d'être verrouillées. J'ai donc décidé de l'ouvrir. Ce que j'ai vu derrière cette porte dépasse de loin toutes mes connaissances. Que peut bien être cette chose dont émane une énergie incommensurable? De nombreuses étoiles filantes ont traversé le ciel cette nuit. Cela pourrait-il avoir un rapport avec le fait que j'ai ouvert cette porte? Il fait des expériences douteuses. Je suis en train d'étudier une manière qui semble provenir des météorites tombées la nuit où j'ai découvert la porte. Je n'ai jamais vu une telle matière. Elle est très élastique. Elle a la particularité de s'assembler aisément lorsqu'on en met deux morceaux en contact. J'ai cherché dans tous les documents que je possède, mais aucun ne fait mention d'une telle matière. Sa chute serait-elle vraiment liée à l'ouverture de la porte? Flotterait-elle en grande quantité dans l'espace infini qui entoure ce monde? Si je le pouvais, j'aimerais m'y rendre pour voir ce qu'il en est réellement. Y aura-t-il d'autres mondes quelque part dans ces cieux?
Ce serait magnifique de pouvoir les visiter. Mais ne rêvons pas. À ce jour, il n'existe aucun moyen de quitter ce monde minuscule dont nous ne sommes que les prisonniers. Il s'est produit une chose incroyable. Un visiteur d'un autre monde est venu. Il dit être le roi et être venu à bord d'un vaisseau fait de morceaux de cette matière tombée du ciel. Ils appellent cela des blocs Gumi. Il semblerait qu'en ouvrant cette porte, j'ai rendu possible le voyage entre nos deux mondes. Il m'a appris beaucoup de choses, mais la plus intéressante d'entre elles concerne une clé d'une très grande taille, du nom de Keyblade. La légende raconte qu'elle renferme une force immense et que son porteur acquiert un tel pouvoir qu'il peut sauver le monde ou au contraire le plonger dans le chaos. Si c'est une clé, elle doit sûrement ouvrir quelque chose. Elle a probablement un rapport avec cette étrange porte que j'ai ouverte l'autre jour. Pénétrons. Vous avez besoin d'aide? Riku! Oui, une Keyblade. Mais contrairement à la tienne, cette Keyblade permet d'ouvrir le cœur des autres. Tu veux une démonstration? Maintenant, ouvre ton cœur. Abandonne-le aux ténèbres. Deviens les ténèbres! Oui, c'est ça. Ce pouvoir. Les ténèbres. Les véritables ténèbres. La P2. Le dragon. Après, on ose me dire que Maléfique, elle était gentille de base, hein. Niquez-vous, hein. A tellement de PV. Augmente ta tête. Bouclier. Voilà, panique. La griffure de loin. Petit museau là. Mais j'ai pas de popo. Ça me touche d'ici. Ah.
soleil. Pour... Allez, me mange. Thanks. Ah non ! Oh, le soin qui est pas parti. Attends. Mal. Ok, on va faire ça. C'est vrai que j'en mets jamais. Hein. Mais d'un goût. Des éthers. Ok, c'est bon. On peut avoir tellement de, d'objets. Oui, on l'a vu. Sauter au-dessus, mais non. Thank you.
pas comme ça. Oh non! Oh le soin qui est pas passé! Oh crevé! Je suis obligé de le remettre. De rien voir, c'est embêtant quand même. On combat le dragon maléfique donc. Je me fais toucher, pourquoi? J'ai pas le temps. Qui bouge tout le temps. Oh, j'ai failli tellement mourir. Je prends tellement cher, mon scu. Mais je crois que j'ai une technique. Rafale. Bon, on s'en fiche hein, des méga potions. Oh. Moyen de moyenné. J'arrive à monter sur ses épaules. Est-ce seulement possible? Attends, il y avait un truc. Je peux pas. Je peux pas taper autre part que ça. Ah, ah. On y est. Non, je peux pas. Merde.
flammes de l'apocalypse. Pas activer tout de suite. Eh ben. En mode concentration. Mana. Bouclier.
Rex. Mais saleté de flammes de mort. Non. C'est cool. Crevez pas. Voilà. Qu'une marionnette, finalement. Les sans-cœurs se servaient de maléfiques depuis le début. Elle n'a pas réalisé que la noirceur de son cœur la dévorait. Une fin bien méritée. Talisman qui me réduit tous les dommages. Intéressant. Ouais. Okay, je peux tout activer. Ah, c'est vrai que j'ai les ingots. Passe par là. Okay. Voilà un point de save. Incroyable. Je pouvais pas trop utiliser Arcane parce que c'est très le sol. Hein. Ça suffit. Ça suffit.
sommes. Donc Jasmine, Cendrillon, Aurore, Belle, Alice et Blanche-Neige. J'aime bien que tu les vois, mais tu vois pas leur monde, certaines. En vrai, c'est une bonne idée. Cette fille a perdu son cœur. Elle ne peut pas se réveiller. Quoi ? Tu n'es pas Riku ? La serrure ne peut être complétée tant que la dernière princesse de cœur est endormie. La princesse ? Kairi est une princesse ? Oui. Mais sans son pouvoir, la serrure restera inachevée. Il faut donc qu'elle se réveille. Qui que tu sois, laisse Riku partir et rends-lui son cœur. C'est toi qui dois rendre son cœur à la princesse. Tu ne comprends donc rien? Le cœur de la princesse réagit. Il était là depuis le début. Le cœur de Kairi est en toi. Kairi? Kairi est en moi. Désormais, plus rien n'a de secret pour moi. Dis-moi, qui es-tu? Mon nom est Ansem, le chercheur des ténèbres. Je vais vous libérer. Complétez la serrure grâce à votre pouvoir. Ouvrez la porte. Conduisez-moi vers les ténèbres éternelles. Le soin qui met trop de temps, ma... J'ai chaud, ce moment. Ah!
fait. Non, 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 non. Wow. Au secours. Bon, pas luck, hein, il faut pas luck. Je le level up bientôt. Bon. Est-ce que j'ai bien toutes les compétences d'actuer ? Ouais, bon.